Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo de Bento. Si tu veux regarder Bento en avant-première avant les gens sur YouTube, je t'invite à me follow sur Twitch. J'ai aussi mis un lien dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. En ce moment, je fais grave des lives sur Twitch, alors je t'invite à venir dessus. Aussi, n'oublie pas de détruire la barre des pouces bleus si t'as kiffé la vidéo. Sur ce, let's go! C'est parti pour l'actu animé. Alors dans l'actu animé, je veux tout simplement te parler des nouveaux animés, des grosses suites animées, des films d'animation, etc. Et c'est parti. Et on commence cette petite actu animée avec la sortie du film d'animation Psycho Pass 3 First Inspector. Le film va donc sortir dans quelques salles japonaises, apparemment le 27 mars 2020. Et tu pourras le retrouver ensuite sur Amazon Prime Video. Les genres seront science-fiction, enquête, psychologie et action. Et je m'en vais tout de suite te faire un petit résumé. Le film conclut l'histoire de la saison 3 sur le cas des Fox poursuivis par l'unité 1, le mystère du Bifrost et la bataille d'Arata et Kei. Dans un futur proche, la société est régie par le système Sibyl qui permet de mesurer instantanément l'état mental d'une personne, sa personnalité et la probabilité qu'elle commette des crimes. Nous suivons les enquêtes de la brigade de sécurité publique chargée d'arrêter les criminels qui enfreignent cette réglementation numérique. Alors Psycho Pass, moi j'ai grave kiffé, donc n'hésitez pas à aller regarder ça les gars. When everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I own ya, and now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un animé que tu connais, c'est obligé. Cet animé aura donc la sortie de son film qui s'appellera Pokémon Coco et qui sortira le 10 juillet 2020 dans les salles japonaises. Il sortira un peu plus tard ensuite en France. Maintenant, petit résumé. Nous suivons les aventures de Sacha et Pikachu. Sacha fait la rencontre de Coco, un étrange garçon qui a grandi dans la jungle de Okoya sous la protection des Pokémon Zarude et Celebi chromatiques. Lorsque la forêt est menacée, le garçon et ses amis Pokémon se lancent dans la bataille. Pour cela, ils pourront compter sur le dévouement de Sacha et Pikachu pour les aider dans ce terrible combat. Et cette fois-ci, on se retrouve avec le film d'animation Détective Conan Hiro no Dangan qui sortira du coup le 17 avril 2020. Les genres seront shonen et enquête policière et c'est parti pour la présentation. L'histoire est centrée sur l'agent du FBI Shueishi Akai, son jeune frère et joueur professionnel du shogi Shukishi Haneda, sa jeune sœur et détective Masumi Sera, sa mère Marie Sera. Le Japon célèbre les prochains Jeux mondiaux du sport, le plus grand événement sportif du monde à Tokyo. Le Japanese Bullet, le premier vague train ou train à tube vide au monde, est construit avec la dernière technologie japonaise et programmé pour coïncider avec les cérémonies d'ouverture du jeu. Le train est prévu pour aller de la gare de Shin-Nagoya à la gare de Tokyo à une vitesse allant jusqu'à 1000 km à l'heure. Cependant, un étrange incident se produit lors d'une fête organisée par de célèbres commanditaires majeurs, ce qui mène à une série d'enlèvements de cadres supérieurs. Conan en déduit un lien possible avec des enlèvements en série dans le WSG 15 ans plus tôt à Boston. Et je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais on a grave des adaptations en animé de webtoon manhwa. Et cette fois-ci, on aura l'adaptation de The God of High School. Le studio MAPPA et Crunchyroll nous ont donc donné cette information. Les genres sont shonen, action, arts martiaux et science-fiction. Et c'est parti mon gars pour le petit résumé. Le destin de trois lycéens experts en arts martiaux se croise lorsque les juges font leur apparition, leur proposant de participer à un tournoi, le GOH, The God of High School. L'enjeu du tournoi est simple mais attractif. Le gagnant voit son vœu se réaliser quel qu'il soit. Au fil des événements,
temps, des amitiés vont se former et des ennemis vont se révéler. Et on se voit avec une nouvelle annonce qui va m'enjailler, mon gars. L'éditeur Crunchyroll nous a donc annoncé la sortie de l'anime Noblesse. Apparemment, ce sera la production IG qui s'en occupera. Les genres donc seront Shonen, School Life et Fantastique. Et c'est parti pour la petite présentation. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Cadis et Trama d'Iraizel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux qui se réveille après 820 années d'hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein, qui est directeur du lycée Yeran et intègre l'établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Rai se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation qui crée des créatures cherche à contrôler le pouvoir du noblesse représenté par Raizel. Et ce n'est que le début d'une interminable lutte de pouvoir qui commencera. C'est parti pour l'anime Listeners. L'anime va donc sortir le 3 avril 2020. Tu pourras le retrouver chez Wakanim et il fera apparemment 12 épisodes. Les joueurs seront tranches de vie, science-fiction, mecha et je m'en vais tout de suite te faire le petit résumé. Ce sera un road movie qui est un périple sur les routes à travers donc de vastes espaces. Les humains ont peur des formes de vie mystérieuses connues sous le nom de Mimi Nashi, les sans-oreilles. Et les seules personnes qui peuvent s'opposer aux Mimi Nashi sont les Prayers, ceux qui prient en offrant, qui peuvent se brancher et piloter des mechas de combat qu'on appelle Equipment. Nous suivons le quotidien du jeune Ekoho et de Miyu, une fille amnésique qui est une Prayer. Très vite, il se lance dans un voyage à la découverte de ses origines. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss, et à la prochaine.